Bonsoir à tous mes followers. J'aurai certainement des difficultés de connexion, mais on va essayer rapidement, si possible, de faire quelque chose ensemble, si c'est possible. Voilà. Si c'est possible. Je vais avoir des problèmes de bugs. Ok. Bon, là, ça y est. Ah. Quand je reviens là, j'ai des soucis. Bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. Si vous me recevez, c'est très bien. Si vous me recevez, c'est très bien. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Donc, je vais avoir des petits soucis de bug, hein. Donc, tenez pas vraiment compte de ça. Des petits soucis comme ça, de blocage, de bug. Mon ordinateur rame vraiment rame, comme je l'avais dit, à cause du logiciel que j'utilise, donc il rame en ce moment. Mais bon, j'espère que d'ici là, ça va tout va rentrer dans l'ordre. Donc bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous. Krabbe Robert, comment vas-tu? Très bien, merci. Bonsoir Yaya Touré, bonsoir à Lamine Konaté, bonsoir à vous tous. On va partir rapidement en musique pour ne pas rester très longtemps. Le temps que nos amis se connectent et viennent nous rejoindre pour qu'on puisse rapidement aborder deux, trois petits sujets. Donc vraiment, je vais essayer d'être 30 minutes, 40 minutes maximum. Parce que je ne peux pas rester très, très, très longtemps avec vous ce soir. Voilà. Donc on va aborder rapidement, comme je l'ai dit, le temps que nos amis se connectent, on part en petite musique parce que la question m'a été posée sur cette musique aussi. Voilà. Donc mes amis. Ce soir, je voudrais rapidement aborder quelques petits sujets avec vous. Je n'avais pas vraiment. Hein, aujourd'hui, ce n'était pas prévu vraiment. Parce qu'avec le temps que j'ai pas eu assez de temps. Je suis en préparation pour un autre débat, pour participer à ce grand débat au niveau de la France. Donc, je n'ai pas eu vraiment le temps. Il y a tous ces petits soucis-là. Voilà. Mais mes amis, le prince Abdul, mon fiston, je t'embrasse très très fort du côté de Dubaï. Je t'embrasse très fort. Je salue tous les Ivoiriens de ce côté-là. Donc, mes amis, on va rapidement aborder quelques petits sujets, comme je viens de vous le dire, pour ne pas qu'on reste très longtemps, plus longtemps que prévu. On va aborder. Je ne voulais pas aborder ce sujet-là personnellement, pour ne pas qu'on dise, ah, Madame Gouzaï parle encore de Monsieur Gbagbo. Mais je vais rapidement parler un peu. Parce que moi, sincèrement, Gbagbo, j'en fais plus ma priorité. Je suis très contente pour lui, pour son âge, pour son vieux âge. Je suis très contente pour lui qu'il puisse être auprès de celle qu'il aime, celle qu'il a choisie, et qu'il soit auprès de sa duchesse, sa dulcinée et de leur enfant. Je suis très contente pour eux. Donc, sincèrement, on ne va pas rester très longtemps. La rue de l'Afrique du là. Voilà. Donc, j'en fais pas une priorité. Pour moi, il n'est pas une priorité. Ma priorité aujourd'hui, c'est, et je l'ai toujours dit, ma priorité, c'est les réfugiés politiques. Je ne dis pas les exilés. Parce qu'on dit les exilés. Les exilés sont les responsables politiques qui, eux, ont gouverné, qui, eux, ont bénéficié du pouvoir, de la gestion du pouvoir des Gbagbo. Eux, qui se sont mis en exil. Donc, ça, ce sont les exilés. Après, les réfugiés, ce sont les pauvres. Des pauvres gens comme vous et moi, qui n'ont pas bénéficié de quoi que ce soit, ni du pouvoir de Gbagbo, ni du pouvoir de Ouattara, donc, ni du pouvoir de Bédié, d'ailleurs. Donc, ceux-là, ce sont les réfugiés. Ce sont les pauvres qui, par peur, par représailles, d'autres se sont retrouvés sous des bâches. Ceux-là, ce sont les vraies victimes de la crise. Ce sont les vrais réfugiés. Les exilés, c'est autre chose. Les exilés, eux, ils négocient leur deal. Ils discutent comment ils vont rentrer pour avoir des postes ministériels ou des postes au sein des ministères ou des postes au sein des institutions. Mais ceux qui sont sous les bâches là, qui parlent pour eux, qui se battent pour eux, qui interpellent l'État pour eux, c'est nous les citoyens. Donc, moi, ma priorité, c'est ceux-là. Ma priorité, c'est la bonne gouvernance. Ma priorité, c'est consolider la République de Côte d'Ivoire. Et soigner l'image de la République de Côte d'Ivoire, être cette ambassadrice. Nous sommes tous des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. Quand on sort de chez nous, nous sommes les ambassadeurs de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ma priorité est à ce niveau-là. Et c'est aussi votre priorité. Si vous êtes toujours avec là, vous êtes là avec moi, c'est parce que c'est aussi votre priorité. Et je vous en remercie. Parce que c'est vous qui relayez derrière. C'est grâce à vous que les choses avancent, que les choses évoluent. Donc,
Notre priorité est à ce niveau-là. Notre priorité, c'est la société civile, la majorité silencieuse, celle qu'on n'entend pas, celle qu'on n'écoute pas, celle qu'on ne voit pas, celle qu'on ne consulte pas. C'est celle-là notre priorité. Ce n'est pas les hommes politiques qui se disent, qui se font leur business, qui signent leurs accords entre eux, qui s'en foutent même de notre avis, où notre avis ne compte pas. Ils ne font pas de nous leur priorité. Alors que pourquoi nous, cette grande majorité, au moins 95% de la population, nous pouvons continuer à crever de faim, à mourir pour 5% de la population qui s'en foutent carrément de nous? On va dire les choses comme ça. Donc ma priorité et votre priorité, c'est la majorité silencieuse. Comment allons-nous consolider l'État de Côte d'Ivoire, notre République? Comment allons-nous interpeller, savoir interpeller les autorités pour poser les questions des sociétés, pour poser les difficultés dans la société, pour poser les difficultés d'éjection même du pouvoir? Parce que si nous sommes des bons citoyens, des citoyens consciencieux, des citoyens réfléchis, nous pouvons poser les vraies difficultés, les vrais enjeux. Donc, mes amis, je voudrais Dosso Ben Abdoul, merci. Il y a un qui dit, vous devez vous marier un jour là. Donc on vous donne. Bon, voilà. C'est un brin d'humour. Je trouve ça drôle. C'est très bien. Et puis ça détend aussi. Il faut souvent aussi savoir faire de l'humour. C'est une de très bonnes choses. Donc mes amis, je vous disais que voilà notre priorité. On va aborder rapidement la liberté conditionnée de Monsieur Laurent Gbagbo. Vous êtes ici avec moi sur les réseaux sociaux. Je l'ai toujours dit, je ne lance pas Cory. Je n'ai pas une boule de cristal. Je n'ai pas, je ne regarde pas, je ne regarde pas les cartes, ni les tarots. Je ne lance pas de Cory, je ne veux pas de tarots. Je n'ai pas une boule de cristal. Je n'irai pas dans une calebasse remplie d'eau. Mes amis, comme vous et moi là, on a ça là-haut. J'ai que mon cerveau, mon esprit. Quand les gens dorment là, moi je suis là. C'est là que je me réveille pour réfléchir, pour dire mais. Et j'essaie de faire des équations. Mais si ça là, ça y est comme ça, pourquoi ça y est comme ça? Si ça y est comme ça, je cherche les indices. Pourquoi c'est comme ça? Donc si je trouve pourquoi c'est comme ça, je dis, ah, c'est que si j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça, je peux trouver une solution, proposer une idée. Mon seul crime que j'ai commis, mon seul crime que j'ai commis, moi, Gouzane Naounou, mon seul crime que j'ai commis, c'est d'avoir eu une longueur d'avance sur ces gens-là. Voilà le crime que j'ai commis. Mon seul crime que j'ai commis, c'est d'avoir eu une longueur d'avance. J'ai pris de la hauteur sur ces gens-là. Aujourd'hui, là, depuis longtemps, ce que j'ai dit, ce que j'ai répété, ce que j'ai réitéré, ce que j'ai expliqué, ce que j'ai écrit, on est arrivé à la même chose aujourd'hui. Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Non. J'essaie de développer mon esprit de discernement. Et c'est cet esprit, je veux qu'on développe ensemble. L'esprit de discernement, l'esprit critique, l'esprit d'analyse. Comment poser un vrai débat? Si tu poses un débat, si tu poses de vrais calculs, tes résultats ne seront pas faux. Mais si tu poses mal des calculs, tu peux être beau intelligent, tu vas toujours fausser le résultat. C'est ça les mathématiques. Moi, je suis à l'école avant, là, j'étais très forte en maths. Ça, c'était ma matière. Et en discernement. Donc, c'est-à-dire, voilà ma capacité. Peut-être que c'est ça qui intrigue les gens, c'est ce qui dérange certaines personnes. Mais depuis le début, sur cette page Facebook, je vous ai dit, moi, Gouzanaounou, je dis la vérité à Laurent Gbagbo là. Si c'est un crime, je plaide coupable. Si dis la vérité à Laurent Gbagbo là, si c'est tuer Gbagbo, alors je dis adieu à Gbagbo. Les mêmes aujourd'hui qui sont en train de trembler là, ils ont chargé, ils m'ont insulté de tous les noms. Ils ont insulté mes enfants, mon père, ma mère, mon mari. D'autres même me cherchaient pour m'empoisonner. D'autres menaient des enquêtes pour dire on va l'empoisonner. Sur ces réseaux sociaux ici, j'ai reçu toutes les menaces. Et j'ai dit, c'est à cause de qui Gbagbo a trompé tout le monde. Gbagbo a trompé tout le monde. Tu ne peux pas tenir un discours de haine à l'encontre des Djoulas, puis toi-même tu vas marier femme Djoula. J'ai dit ça sur Facebook ici. Les partisans, les émoticons de Gbagbo m'ont insulté. Ils ont multiplié les vidéos, les caricatures. Ils sont même allés annoncer ma mort. Ils sont allés trouver ma mère pour aller dire à ma mère que ta fille est morte en France. Aujourd'hui, le Gbagbo, il est où? Gbagbo est où? Il est chez qui? Il n'est pas chez femme Djoula. Djoula n'a pas son bœuf.
Julien, il n'y a pas son deux. Il n'y a pas son deux. C'est ça là qu'il a là. Julien n'avait pas son deux. Bagbo habite chez qui aujourd'hui? En Belgique. Mais ici, pour ne même pas aller plus loin, le mois de décembre, le mois de janvier, je vous ai expliqué. Moi, je ne suis pas procureur, je ne suis pas juge, je ne suis pas avocate, je ne suis pas magistrat. Et j'ai expliqué. Quand on s'intéresse à un problème, à un procès, il faut plonger sa tête, son cerveau dans le droit. Allez-y, lire les livres de droit. Allez-y, lire les institutions. Qu'est-ce que les institutions disent? Pour comprendre les institutions, si vous-même vous avez compris les institutions, vous allez adapter votre démarche aux procédures. Et c'est ce que j'ai toujours décrié. Et je vous ai toujours interpellé. Adaptez votre comportement aux procédures judiciaires. Apprenez les institutions, le fonctionnement des institutions. Si vous aimez vraiment Gbagbo, adaptez votre comportement aux procédures judiciaires et à respecter les institutions judiciaires. Oh, les émoticons de M. Gbagbo m'ont insulté de tous les noms, traité de tous les noms. J'ai dit, on va tourner, on va descendre, on va aller demander pardon à Alassane Ouattara. Donc, dès maintenant, là, allons-y, on va demander pardon. Mes frères, mes soeurs, quand tu n'as pas dents dans ta bouche, ne mange pas Kpolo. Quand tu n'as pas dents dans ta bouche, ne mange pas Kpolo. Allons-y, on va demander pardon au chef de l'État, aux autorités ivoiriennes. Parce que Gbagbo, là, même liberté provisoire, il faut un pays pour l'accueillir. Mais pour que le pays puisse accueillir Gbagbo, il faut une garantie de son état d'origine. L'état d'origine, là, c'est le président Alassane Ouattara. Donc, tout le temps que vous avez perdu, là, on est arrivé à ce que Gouza a dit. Tout le temps que vous avez pris pour danser Gbegbe, pour manger Tikriti, pour voir les clés-clés avec les œufs pourris pour péter dans les cars, là, on est arrivé à ce que j'avais dit. Ce pour lequel vous m'avez insulté là, c'est à ça qu'on est arrivé. Gbagbo, il est où aujourd'hui? Qui a donné garantie là? C'est l'État de Côte d'Ivoire. Qui va garantir la sécurité de Gbagbo en Belgique? C'est Alassane Ouattara. Qui va protéger Gbagbo? C'est Alassane Ouattara. Ce que j'ai dit là, on est à ça aujourd'hui. La honte est sur vous aujourd'hui. Parce que j'ai reçu vos messages. Je fais des vidéos, des posts. Je suis assis, je dis, je suis contente pour Laurent. Je suis content pour Laurent, il est vieux. Et j'ai mené cette démarche-là. Il y a des gens dans l'ombre qui ont mené cette démarche-là pour que Laurent puisse avoir cette liberté conditionnée. Liberté conditionnée, là. Moi, j'ai dit ça sur les réseaux sociaux ici. Vous m'avez insulté pour ça. Il n'y a pas plus longtemps que le mois dernier, janvier qui vient de finir, là. Janvier. J'ai dit, ce n'est pas acquittement laissé. Gbagbo aura une liberté conditionnée. On dit que Gouza ne connaît pas le droit. Elle ne connaît pas le droit. Je dis qu'il aura une liberté conditionnée. Il va aller vivre en Belgique. Gbagbo n'a pas d'attache en Côte d'Ivoire. Donc, quand vous parlez là, apprenez les institutions, puis apprenez les décisions. Lisez les décisions, les clauses, les sanctions, les conditions. Apprenez. Ce qui vous manque, c'est l'esprit de discernement. Je ne sais pas si c'est culturel, mais je doute fort que ça ne soit pas culturel. C'est l'esprit de discernement. Parce que le discernement, là, c'est culturel. C'est comme les comptes. Le discernement, c'est comme les comptes. Donc, vous avez un problème de discernement. Vous n'arrivez pas à poser un problème, l'analyser, sortir ce qui est mauvais, ce qui est bien, trouver des stratégies. Vous n'avez rien de tout ça. Et c'est ce qui vous fatigue aujourd'hui. Donc, vous m'envoyez des messages par-ci et là. Vous voulez que je dise quoi? Je ne suis pas étonné que Laurent soit en Belgique. Je savais qu'il allait être en Belgique. Il allait aller où? Gbagbo allait aller chez qui? Chez vous? Gbagbo devait aller chez vous? Il n'a pas d'attache en Côte d'Ivoire. Laurent n'a pas d'attache en Côte d'Ivoire. Quand vous partez demander des papiers à la préfecture, là, on vous demande, les attaches, c'est quoi? C'est ta femme, ton mari, tes enfants. Tes attaches, là, c'est ta femme, ton mari et tes enfants. C'est ça, tes attaches. Laurent n'a pas d'attache en Côte d'Ivoire. Ces grands enfants, là, ils ont fait leur vie, ils sont adultes. Ils ne sont pas enfants ni adolescents, ils sont adultes. Donc, ils ne sont plus maître des enfants adultes. Ils ont des enfants, ils sont mariés, ils ont refait leur vie. Ils ont leur attache. Ils ont leur attache. Donc, les attaches de l'Europe sont en Belgique. C'est Nadia Nabamba, c'est le fils de Nadia Nabamba, Ismaël.
savez quoi? Bagbo, avant de rentrer dans la prison, là, il y a une fiche à remplir où tu mets le nom. Tu mets ton nom, le nom de ton épouse. Tu mets la personne à contacter. Si quelque chose arrive, qui va te prendre en charge? Tu écris, tu remplis la fiche. Bagbo a rempli la fiche. Il a mis Nadiana Bamba, mon épouse. Point! Pourquoi je vais aller chercher Jeanne et puis Paulette quelque part? Bagbo, que vous dites que vous aimez là? Il dit sa femme, son choix, c'est Nadiana Bamba. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Et moi, Gouzana, quand je vous ai dit, vous m'avez insulté. Bagbo, allez où? Il est allé à Mossou. Bagbo, allez à Gagnoua. Il est en Belgique, c'est sa femme, Nadiana Bamba. Que vous voulez ou non? Bagbo dit, il a fait son choix. Donc, si vous aimez Bagbo, respectez aussi son choix. Son choix, c'est Nadi Bamba, sa femme Djoula. Point! Les Djoulas que vous voulez tuer dans tous les sens, vous multipliez les vidéos. On va tuer des Djoulas. Si Bagbo sort de prison là, on va tuer les Djoulas. Et puis ceux qui font les vidéos là, on va les tuer. Ils ne vont plus rentrer en Côte d'Ivoire. Les Djoulas ne sont pas ivoiriens. Et puis les Djoulas, ils sont ici. Et puis les Djoulas, ils sont là-bas. Bagbo a cloué votre bec. Bagbo a fermé votre gueule. Il a cloué votre bec. Ça veut dire vous et puis Bagbo là, c'est le jour et la nuit. Bagbo ne vous considère même pas. Il ne vous considère même pas. Bagbo là, il ne vous considère pas. Il ne vous aime pas. Il n'a rien à foutre de vous. Son choix là, c'est femme Djoula. Donc Djoula là, il n'y a pas son deuil. Aïe, c'est une réalité. Vous m'appelez pour dire Gouza, non, on veut danser un peu, il ne faut pas gâter notre joie. Mais il y a pourri, vous avez une joie. Vous avez honte. Vous êtes dans la confusion. Vous avez honte. Vous êtes dans la confusion. Vous êtes tellement méchant, ingrat que vous êtes dans la confusion. Dieu vous a confondu. Dieu vous a confondu. Bagbo là, il est chez femme Djoula. Il va laver assiette. Il va laver caleçon. Il est assis là-bas. Il va se comporter comme Gou avec clé dans ma famille. Là. Il va faire ménage. Il va repasser habit. Vous allez le trouver. Il va cuisiner. Puis il va vous dire, moi-même j'aime ça avant. Moi-même avant, mais il attachait pas au goût. Puis il est foutu de ma maman. Il sera le boy là-bas. Chez la fille Djoula. Bien fait pour vous. C'est comme ça. Donc, venez pas ici pour parler, pour m'envoyer des messages. Ce genre de message-là, vous apportez quoi? Bagbo a fait son choix. Point. Vous aimez quelqu'un. Djoula puissance, vraiment. Parce que Djoula a démontré qu'ils sont là. Ils sont. Vous pensez que vous êtes zinzin. Vous pensez que vous êtes zinzin. On m'envoie une vidéo. Gouza, il y a un chanteur qui a chanté Djoula, il n'a pas son deux. Toi, tu as parlé de Alain Gagne. Voilà. Pourquoi tu ne parles pas de lui? Il y a une personne que je vais appeler tout à l'heure. Mais attendez. Depuis que vous êtes en Côte d'Ivoire, là, les jeunes Djoula, comme on les appelle communément Djoula, là, donc on va utiliser ce terme-là. Parce que c'est une fierté. On va utiliser ça même. Djoula. Dans la Côte d'Ivoire, là, les petits Djoula respectent les gens. Djoula ne peut pas insulter ta maman parce qu'il respecte sa mère. Mais vous, tous les jours, c'est vous qui insultez maman des jeunes Djoula. Sur les réseaux sociaux. Il faut un poste, là, vous venez, ta mère con. Ta mère con. Ta mère ceci. Ta mère cela. Vous avez passé votre temps à insulter les jeunes. Mais à un moment donné, là, à force de marcher sur les pieds, toi, tu es sûr que tu peux tenir devant petit Djoula. Tu peux faire parler avec petit Djoula. Toi, le bébé, là, tu peux faire parler avec le petit Djoula. Toi, tu peux faire parler avec petit Djoula. Vous ne pleurez pas. Tu peux faire parler avec petit Djoula. Quand il faut, s'il veut te trouver, là, tu ne peux même pas t'arrêter. Mais vous avez passé votre temps à insulter les jeunes. Même sur ma page, vous insultez leurs mamans, vous insultez leurs parents. Est-ce que vous voyez, ils insultent votre maman? Mais c'est vous tous les jours, vous insultez leurs mamans. Mais Djoula, il respecte sa maman. Culturellement, là, c'est quelque chose qui est sacré, mais c'est sacré pour eux. Mais vous avez tellement exagéré qu'aujourd'hui, là, ils se sont révoltés. Donc, Djoula n'a pas son deux, là, c'est la révolte qu'elle a. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est ce que vous voulez qui est arrivé. C'est ça que je voulais éviter. C'est ça là, j'attirais votre attention pour dire attention à ce que vous chantez. Depuis dans la Côte d'Ivoire, vous êtes de mauvais artistes. Vous ne participez mais des mendiants artistes. C'est vous qui foutez la merde dans la population. Vous, ces artistes-là. Et l'État, les responsables politiques doivent arrêter même de recevoir les artistes de Côte d'Ivoire. Il faut arrêter ça. Parce que ces artistes-là enveniment la cohésion sociale. Vous chantez des chansons, des paroles par-ci, par-là. Vous montez les communautés les unes contre les autres. Donc aujourd'hui, voilà ça. Il a chanté Djoula, il n'y a pas son deux. Aïe. Vous n'avez pas dit que c'est vous seul qui êtes ivoirien, qu'ils ne sont pas ivoiriens. Il a chanté qu'il n'y a pas son deux.
go Djula qui a pris le woody de maman à la maison. Il y a un go Djula qui l'a récupéré. Il va d'abat kabato avec da tous les jours. Nancy dit pour celui. Venez encore. Vous avez exagéré. Donc, ils sont. C'est la révolte qu'elle a. Faut pas qu'ils disent quoi? Vous avez gueulé, gueulé, gueulé ici. On va tuer les Djula. On va faire cela aux Djula. On va faire cela aux Djula. Vous êtes plus ivoirien que les autres dans le pays là. Vous n'avez pas un projet. Votre seul souci là, votre projet là, vous êtes obsédé là. On va faire ceci à Djula. On va faire ceci. Bagbo a cloué votre bec. Il est chez Godjula. C'est une maouka. Il est chez Godjula. Il a fermé votre gueule, quoi. Pap, la honte est sur vous. Donc vous allez tuer Bagbo aussi. Comme vous avez fait des vidéos là. Babo là, il allait chez Femme Djula. Comme vous voulez tuer les Djula, si Babo sort de prison là. Babo est sorti, liberté conditionnée, il est dans le salon de Femme Djula. Vous allez faire quoi maintenant? Donc vous n'allez pas aller chez la Femme Djula parce que Babo est là-bas. C'est ça là, il est dit sur Facebook. Il dit vous êtes ingrat. Vous êtes malsain. Vous êtes des méchantes personnes. Vous avez encouragé Gbagbo dans la bêtise. Vous avez encouragé Gbagbo dans la bêtise. Et vous allez assumer plein pot. Qui allait doter? Je vois sur les réseaux sociaux, on m'écrit. C'est Alassane Ouattara qui a imposé la dit Baba à Gbagbo. C'est Alassane Ouattara et Nicolas Sarkozy qui ont dit à Gbagbo d'aller en Belgique. Mais attendez, oh, vos neurones sont renversés, vous. Vos neurones sont renversés, vous. Je vais les remettre en l'ordre pour vous rappeler. C'est Alassane Ouattara qui allait doter Nadi Baba pour Bagbo. Est-ce que c'est Alassane Ouattara qui allait doter Nadi Baba pour Bagbo? Vous accusez Alassane Ouattara dans ça pourquoi? C'est pas Alassane Ouattara qui tire la braguette de Bagbo, hein? Qui allait doter Nadi Baba? Est-ce que c'est Alassane Ouattara? Non? Bagbo était président quand il allait marier Nadi Baba dans la mosquée. Aïe, il s'appelle Kader Koudou Bagbo. Alors, c'est votre gardien du temple père à son âme, hein? Le papy Abdourahmane Sangaré. C'est lui, avec Youssouf Bakayoko, qui sont allés doter Nadi Baba. Qu'est-ce que Alassane Ouattara a à voir dedans? Qu'est-ce que Nicolas Sarkozy a à voir dedans? Parce que vous, là, vous faites, Gbagbo fait des conneries, vous n'avez pas le cran de lui dire, oh, maintenant ça suffit. Donc, il faut toujours trouver le coupable idéal. Ouattara est le coupable idéal pour vous. Gbagbo a pété, on dit c'est Ouattara qui a appuyé son ventre. Ah, vous aussi. Non. Vous aussi. Gbagbo n'est pas Dieu. Vous aussi. À un moment donné, là, il faut dire à Laurent. C'est ce que je disais sur les réseaux sociaux. C'est dit, dites à Laurent, quand vous partez le voir en prison, là, dites la vérité à Laurent. Vous dites, Laurent, on s'est amusé pendant 10 ans. Dans la prison où tu es là, il faut adapter un comportement qui correspond pour travailler ton image. Est-ce que vous avez le courage de dire ça à Laurent? Non. Ce n'est pas Ouattara qui a doté Nadi Baba Bagbo. Ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui a doté Nadi Baba Bagbo. À la fin de Ouattara lui-même, il a une seule épouse. Bagbo, il a deux. Dans ce pays-là, Bagbo n'a pas respecté la Constitution. La Constitution ivoirienne vous impose deux épouses? Non. Alassane Ouattara, il a une épouse. Regardez le monsieur et sa femme, Dominique Ouattara. Il tient la main de son épouse. Oufou a dit, la stabilité d'un homme, c'est son couple. Si ton couple est instable, tu es un homme instable, tu seras un père instable. Tu seras un dirigeant instable. Regardez Ouattara et son épouse. Quand il se déplace là, il regarde sa femme avec élégance. Il ouvre ses grands yeux. Il regarde son épouse. Avec, il valorise sa femme. Il valorise son épouse. Gbagbo a toujours humilié pour lui. Là. Il s'en va. Il ne va jamais attraper la main de Simone pour aller dans une assemblée. Comme s'il avait un autre d'elle.
Nathanaël, Simone va trouver des gros là-bas. Il va la laisser, il va les trouver là-bas. Et vous avez cautionné toutes ces choses-là autour de lui. Incapable de dire, ah, opa, opa, yaya, yaya, c'est. Vous n'avez pas été capable de dire ça. Aujourd'hui, il est gêné à dire, Bamba, vous accusez Alassane Ouattara. Non, mais attendez. Qu'est-ce que Ouattara a à voir dans la relation de Bagou et Ladi Bamba? Soyez sérieux, vous aussi. Soyez au moins honnête. Si vous êtes honnête un jour, ça fait quoi? Ça fait quoi? Vous priez, vous êtes malhonnête. Ça fait quoi? On dit, ils appellent Abou Bamba. Voilà. Voilà. Vous n'avez jamais rien dit. Simone, là, on peut critiquer Simone dans tous les sens. Moi-même, je critique Simone Bagou. Je l'ai critiqué à sa sortie de prison. Je dis, tu as fait une erreur. L'erreur va t'écouter. Aujourd'hui, là, voilà l'humiliation que Simone a reçue. Voilà l'humiliation. L'humiliation. La honte. La plus grande. En fait, la claque, Simone a reçu la honte aujourd'hui. Hier, elle a reçu la honte. Soudain, brusquement, l'Éternel des armées, l'Éternel est ici, l'Éternel est par là, Dieu me parle. Bagbo dit, tu seras la Tchiza. C'est Simone Bagbo qui est l'épouse de Bagbo qui va devenir Tchiza maintenant. C'est dans ça qu'on est avec Bagbo. Et vous accusez la femme Ouattara pour ça? Non, mais soyez, mais vous là, vous, vos neurones sont renversés. Ayez le courage de dire la vérité devant Dieu. Ayez le courage de dire la vérité devant Dieu. Soyez honnête devant Dieu. Vous lisez la Bible et vous êtes aussi malhonnête, mesquin, menteur et ingrat. Attendez. Soyez sérieux. Voilà. Elle est à Abidjan. Son mari maintenant dit, tu es devenu Kiza. C'est Simone maintenant qui va demander au Dieu, ça n'a dit Bamba pour voir son ex-mari. Je ne sais pas comment on va l'appeler. C'est dans ça on est. Ou bien c'est un ménage à trois. Un ménage à trois. C'est quoi tout ça là? C'est des choses comme ça vous cautionnez. Si c'était Alassane Ouattara qui avait deux épouses là, je vous pose la question, vous les émoticons là, vous allez dire quoi? Si c'était Alassane Ouattara qui avait comportement de Bagbo là, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Vous priez ici, sommes ici, avec vos mythomanes de pasteurs. Donc les pasteurs n'ont pas dit que Bagbo allait vivre. Elle a dit Bamba et femme Djoula. Ils vous ont pas dit ça. Les pasteurs qui font les vidéos, ils vous ont pas dit que Bagbo allait vivre avec femme Djoula. Des mythomanes comme ça, escrocs. Bande de menteurs, ces pasteurs-là. Ils vous ont pas dit. Pour vous escroquer, tous les samedis, vous leur donnez minimum 1000 francs. Si vous êtes dans 3000 dans l'église, ça fait beaucoup. À la fin du mois, vous donnez 1000 francs. Chaque dimanche, quand même. Quand même. Vous versez facilement 20 millions à des gens comme des menteurs comme ça, religieux. Tous les mois, 20 millions, ils ressortent de votre part. 20 millions. Pourtant, ces 20 millions, vous pouvez faire tontine pour créer une usine, pour créer des boutiques, des magasins, pour créer de l'emploi. Mais non, vous donnez à un pasteur, vous l'appelez papa, vous appelez sa femme maman, et votre propre mère là, même 1000 francs pour lui donner, vous ne donnez pas. Et vous pensez que Dieu va vous bénir. Tu vas prier, zéro. Tu vas toujours trimer. Parce que ta mère là, c'est elle qui est ton Dieu. En tout cas, Djoula, il n'y a pas son deux. La gauche Djoula a attrapé son coude. Le Woody de Mama en Belgique. C'est là-bas ils sont assis. Je vous ai dit ici. Bagbo, il n'a pas d'attache en Côte d'Ivoire. L'attache là, c'est ton épouse et tes enfants. C'est Bagbo qui a fait sa demande de liberté provisoire, des demandes de liberté provisoire. La demande a été accordée en fonction des éléments d'information qu'il a apportés, des garanties d'information. Il dit, mon épouse réside en Belgique. Elle est propriétaire en Belgique. Mon fils est dans une école spécialisée en Belgique. Mes attaches sont à Belgique. Donc, je vais rester en Belgique. Quand la CPI a besoin de moi, c'est plus facile pour moi pour me déplacer.
Ils ont étudié les dossiers, on a vérifié. Nadi Baba habite où? En Belgique. Elle est résidente en Belgique. Elle est propriétaire en Belgique. Leur enfant Ismaël va à l'école où? En Belgique. Ok. Donc, on t'accorde la liberté conditionnée, mais tu dois pointer deux fois par semaine au commissariat. Deux fois par semaine, tu dois pointer au commissariat. Condition. Tu ne dois pas sortir de l'espace de ce pays. Ça veut dire la Belgique, tu ne quittes pas. Quand tu quittes la Belgique, tu t'en vas à ce pays, à la cour pénale. Pour aller, le procès continue. Le procès n'est pas clos. Le procès n'est pas clos. Le procès n'est pas clos. J'insiste. Parce que vous ne respectez pas les conditions. Si vous ne respectez pas les conditions, là, vous serez les seuls responsables si Babo retourne au trou. Parce qu'il y a des conditions à respecter. La Belgique, là, il n'y a pas attroupement devant la résidence de Babo. Il n'y a pas de cars qui vont remplir pour aller dans ces bébés ticlitis, vendre les clés-clés avec les œufs pourris pour péter, boum, boum, là-bas, il n'y a pas ça. N'y a pas ça là-bas. Gbagbo peut pas appeler volontairement les gens. Il doit passer par la ligne qui a été établie. Gbagbo peut pas partir en Côte d'Ivoire parce que le procès n'est pas clos. Il peut pas aller en Côte d'Ivoire. Donc Gbagbo a accepté ces conditions. Il est avec sa femme, Nadi Bamba. Il est avec leur enfant. Vous dites que vous aimez quelqu'un. Il a fait son choix. Mais respectez son choix. Mais moi-même, là, j'ai critiqué Nadi Bamba. Ici, sur les réseaux sociaux, je l'ai critiqué. Parce que je n'ai pas accepté le fait que Gbagbo puisse humilier Simone Gbagbo comme ça. Malgré ce qu'elle est là. On n'humilie pas une femme qui a mené un long combat avec toi. Une femme qui a souffert avec toi. Une femme, la mère des enfants. Mais vous, les bêtés, là. Vous avez dit que Simone ne fait pas garçon. Que c'est Nadi Bamba qui a fait garçon. C'est elle qui est la femme de votre frère. C'est ce que vous avez dit. Donc, c'est vous qui avez encouragé Gbagbo dans sa relation avec Nadi Bamba depuis Abidjan. Koundou Jeannette, la soeur de Gbagbo, là, elle a encouragé. La maman de Gbagbo, père à son âme, garde, elle a encouragé. Simone Gbagbo parle même pas avec Koundou Gbagbo. Est-ce que quand Simone est sortie de prison, là, vous l'avez vu sur la tombe de la maman de Gbagbo? Est-ce que vous avez vu Simone aller à Gagnoua pleurer sur la tombe, aller même déposer une fleur sur la tombe de, madame, de la mère de Gbagbo? Non. Donc, Simone même savait qu'entre elle et Gbagbo, c'était fini. Vous avez vu Simone avec Koundou Jeannette? Non. Simone savait que c'était fini. Et c'est ce que je lui ai reproché. Quand toi-même tu sais que c'est fini là, quand tu sors de prison, il faut adopter un comportement pour que tu puisses t'inscrire. Tu es un homme intellectuel, tu es professeur. Donc tu sais que Gbagbo a fait un choix. Mais nia, quand tu sors de prison là, il faut laisser affaire de Gbagbo. Fais ta vie. Fais ta vie. Parcours les hameaux. Va aider les jeunes enfants à aller à l'école parce que toi-même tu es professeur. Joue un rôle comme ça pour que tu sois importante. Non, tu es assis là, soudain, brusquement, et puis Aboudrahman Sangaré, quand on dit il pissait pas, et puis Dieu m'a dit, et puis Somme 72, c'est le truc qu'on t'a ramené. C'est ça là qui m'a énervé chez Mme Simone. C'est ça là même, il dit, ah, c'est que tu ne vas pas changer. Mme Simone, tu ne vas pas changer. Et quand j'ai dit ça sur les réseaux sociaux, les émoticônes sont venus pour dire Gouza insulte Simone Gbagbo. Mais aujourd'hui là, qui a humilié Simone Gbagbo? C'est Gouza Naounou. Qui a humilié Simone Gbagbo là, sur le plan planétaire là? Est-ce que c'est moi Gbagbo là? C'est Gbagbo lui-même. Et puis c'est vous, les sympathisants de Gbagbo. Vous avez applaudi le choix de Gbagbo. Donc c'est vous qui avez humilié Simone. Moi, j'ai mené le combat d'une femme. J'ai mené le combat d'une femme. En tant que femme, quel que soit ce que nous sommes, la femme a droit quand même à un semblant de dignité. La femme a droit à un semblant de respect. Laurent n'a pas respecté Simone. Mes amis, je vais appeler quelqu'un. Restez en ligne avec moi. Il y a une personne qui m'a écrit qui veut intervenir, je vais l'appeler. Je vais l'appeler, restez en ligne. Si elle n'arrête pas de m'envoyer des messages, je vais intervenir, je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Si la personne est là, hein, parce que j'ai eu le message. Si la personne est là. Si la personne est là, est-ce qu'elle est là? Allô?
Bon, j'essaie de. Si la personne ne répond pas, je vais continuer et puis, quand elle sera disponible, elle va appeler. Quand elle sera disponible, elle va appeler. Voilà. Quand elle sera disponible, elle va appeler. Ok, donc on va avancer. On va avancer rapidement. On va avancer, on va avancer. Allô? On va avancer, continuons dans notre. Donc, mes amis, vous savez, quand tu suis quelqu'un, quand tu dis que tu aimes quelqu'un, quand on dit tu aimes quelqu'un, il faut l'aider, il faut l'orienter. Il faut orienter la personne. Il faut respecter. Regardez Alassane Ouattara et son épouse. Gbagbo est plus beau que Alassane Ouattara. Non, Alassane Ouattara, c'est un homme qui est très élégant. Mais regardez comment il tient son épouse. Il respecte sa femme. Il prend sa femme, c'est-à-dire qu'il met sa femme, il la respecte. Quand il marche avec sa femme, tu vois la complicité dans leur regard. Tu vois la stabilité de leur couple, la force de leur couple. Un homme d'État, là, il doit s'appuyer sur sa femme. Un homme d'État, là, il s'appuie, il doit s'adosser sur son épouse. Son soutien premier, là, c'est son épouse. Celle qui partage sa vie. Regardez Ouattara et son épouse. Quand ils sont assis dans une assemblée, là, ils ont un regard, ils ont une complicité. Tu regardes leur complicité. Ils ont un petit geste affectueux. Là. Mais regardez les photos même. Est-ce que montrez-moi une photo, vous avez vu Gbagbo avec Simone dans cette complicité se tenir la main. Vous montrez-moi. C'est Gbagbo qui a humilié Simone. Donc, en quoi est-ce que Gouzan a humilié Simone, a insulté Simone? C'est Gbagbo qui n'a pas respecté son épouse. Aujourd'hui, là, aux yeux du monde entier, là, il a rendu la pauvre Simone Kiza. Il a rendu Kiza. Ça, c'est moi. Même Bédier qui est Bédier, là. Qui est le vieux Bédier de 84 ans. Là. Regardez Bédier avec sa biche royale. Avec Henriette. À tel point qu'en public, Bédier, là, c'est un gars qui est fort de Kiza. Mais regardez quand il a sa biche. Il dit ma biche royale, ma biche royale. Gbagbo, là, c'est quoi? Donc, quand vous aimez quelqu'un, ayez le courage aussi. Ce que vous reprochez aux autres, là, Gbagbo fait pire. Moi, là, je suis contente pour Laurent. Je suis très contente pour Laurent. Le fait que Laurent aujourd'hui soit en liberté, même que si c'est conditionné, là, c'est une liberté au moins. Conditionnée avec son âge. Son fils Ismaël est jeune. Les autres, là, Michel Gbagbo, les jumelles, elles sont grandes. Elles ont fait leur vie. Gbagbo va apporter quoi d'affection à ces grandes filles qui ont fait leur vie? Il pense que le grand-père de ses petits-enfants. Mais Ismaël a besoin de son père. Plus que les Michel, plus que les grandes filles qui ont refait leur vie. Donc, le monsieur a réfléchi, il a calculé, s'est dit, bon, mon fils qui a des petites difficultés aussi, qui est dans une école spécialisée, il a plus besoin de moi. Il a fait son choix. Il a fait son choix. Il a sa femme. Il dit, il va rester en Belgique. Vous dites non. Ah, on va lutter, la lutte continue. Vous luttez quoi? Vous luttez, c'est quelle lutte vous faites? La lutte continue. Vous luttez quoi? Gbagbo dit, il veut femme Djoula. Il dit, Djoula, il n'y a pas somme deux. Il dit, Djoula est mieux que femme bêtée. Il dit, Djoula est mieux que femme abourée. Il dit, Djoula est mieux que femme attiée. Il dit, Djoula est mieux que femme guérée. Vous voulez quoi? Vous luttez quoi? La lutte continue. Vous luttez quoi? Vous luttez quoi? Moi, je suis très contente. Je suis bien pour. Et puis, j'ai dit merci à l'État de Côte d'Ivoire qui a garanti le côté diplomatique avec la Belgique. Merci à l'État de Côte d'Ivoire. J'avais dit ça ici sur les réseaux sociaux. Et j'ai dit merci au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Merci à son épouse Dominique Ouattara. Dominique Ouattara a joué un grand rôle, même si elle ne s'exprime pas. Vous êtes assis, vous gueulez. C'est de remplir car pour aller danser, qui fait quelque chose à libérer Gbagbo. C'est pas ça. Hein? C'est les discussions en bas. C'est la diplomatie. C'est les discussions et la diplomatie.
quel pays qu'elle allait recevoir. S'il y a un pays qui dit qu'il ne prend pas Gbagbo, Gbagbo reste en prison. Mais il faut avoir des discussions. Il faut avoir ce pouvoir diplomatique pour convaincre les pays de recevoir Gbagbo et Blé Goudé. Donc, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, là, allez-y au FPI des intellectuels. Ils ne vont pas vous cultiver un peu. Ces intellectuels aussi, là, ils sont plus abrutis que même des militants. On ne sait plus même qui va aider qui. Parce que les intellectuels mentent aux militants. Les militants sont contents, ils mentent aux vieux. On ne sait plus où on va. Il a fait son choix. Il veut sa femme Godjoula. Aïe! Je vous ai dit ici que Gagnoua là, c'est chez les Djoula, c'est ceux et les vrais Woody, les Sila. Vous m'avez insulté. Gbagbo m'a donné raison. Moi là, Gbagbo m'a donné raison. Je vous ai dit que vous ne connaissez pas Laurent. Vous suivez Laurent, mais vous ne le connaissez pas. Vous ne savez même pas mais qui est Gbagbo, comment il fonctionne, quelle est sa mentalité. Vous ne le connaissez même pas. Moi, je vous ai dit ici. Il m'a donné raison aujourd'hui. On est dans ça. Et que vous avez Gbagbo est sorti des prisons. Moi, je suis contente pour Laurent. Je suis contente pour Laurent. Je n'ai pas à dire ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Je n'ai pas à dire, mais je suis contente pour Laurent. Chacun mène ses actions sur la terre. Chacun mène ses actions. Je ne suis pas venu de crier sur les réseaux sociaux ce que tu fais. Hein. Ce n'est pas ça. C'est qu'est-ce que tu as fait concrètement qui a amené à ça. Vous avez apporté quoi dans ce débat, dans cette discussion, pour que la Belgique puisse accepter Gbagbo et Blé Goudé. Ce n'est pas votre procès. Hein. Vous avez apporté quoi? Parce qu'on dit que vous allez sortir, mais vous n'êtes pas des pays d'accueil. Vous avez mené quelle discussion? Quel débat? Vous avez aidé à quoi? Vous avez fait quoi? Rien. Vous avez gueulé sur les réseaux sociaux et insulté tout le monde. Mais il y a des hommes et des femmes qui ont travaillé en bas. Il dit merci au président de la République, Alassane Ouattara. Merci à son épouse Dominique Ouattara. Parce que son épouse, là, si elle avait le comportement comme vous, je suis sûr que Simone serait encore en prison. Ça, là, il faut savoir ça. Si Alassane Ouattara avait votre comportement, là, c'est un monsieur qui est très solide. Ouattara est très solide. Parce que si elle n'était pas solide, là, la Côte d'Ivoire tient un seul fil. La Côte d'Ivoire tient un seul fil. Parce que Ouattara est solide. Qu'on est là aujourd'hui. Il faut dire merci aux gens. Je vous ai dit que merci, en cinq lettres, c'est important dans la vie. Merci au président de la République. Merci à son épouse. Merci au chef du gouvernement. Amadou Gon Coulibaly, que j'ai rencontré à Abidjan. Je dis merci au chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. Moi, j'ai été en audience. J'ai rencontré le premier ministre à Abidjan. Et je suis revenu en France le 11 janvier. Gbagbo n'est pas à Bruxelles aujourd'hui. Vous avez apporté quoi dedans? Vous gueulez pour rien là. Vous avez apporté quoi dedans? Vous êtes des gueulards inutiles. Vous avez apporté quoi? Qui était devant dans ce pays? Vous voyez Issa Malik Koulibaly. C'est le frère d'Amadou Gon Coulibaly. Issa Malik Koulibaly. Moi, je n'ai pas envie de parler trop. Hein. Je n'ai pas envie de parler trop. Mais je remercie l'État de Côte d'Ivoire. C'est tout ce que je peux dire. Je remercie l'État de Côte d'Ivoire. Je ne vais pas aller plus loin. J'ai mon frère. Je vais appeler. Chanel K, tu veux que je t'appelle grandesse? Je vais t'appeler là, 2 minutes. Oui, mon frère. Allô, ma soeur. Je suis en live. Hein. Ah, tu es en live. J'essaie de te trouver, mais tu n'arrives pas. J'ai des problèmes. Voilà pourquoi je t'appelle. Ça vient. D'accord, ok, je t'envoie ça en inbox alors. Ça marche, ok, à tout de suite. Merci beaucoup. Continue ton travail, c'est bon. Merci mon frère. Merci, à tout, oui, merci. Ouais. Ouais. Donc, je disais, j'appelle ma grande soeur Chanel K. Oui, la grandesse. Oui,
comment tu vas? Ça va, et toi? Je suis en live. Ça va? Je voudrais intervenir, est-ce que c'est possible? Oui, vas-y. Tu as 5 minutes, c'est bon. D'accord, j'ai 5 minutes. En fait, oui, je voudrais te rejoindre pour dire qu'on est tous heureux de savoir que Babo est libre, il est en Belgique. Et ce que je voudrais expliquer aux Ivoiriens, si ton live, si ton direct, tu voudrais expliquer aux Ivoiriens, je m'en fous, même s'ils veulent m'insulter, tu sais que moi je suis une femme libre. Tout à fait. Je voudrais leur dire que Babo, il a eu la chance qu'il a des attaches. Qu'est-ce qu'on appelle des attaches? Tout à fait. Des attaches en Belgique, il a sa femme Nadi Baba. Qu'on le veuille ou pas, il a sa femme Nadi Baba et son fils. Tout à fait. C'est les mêmes là, eux là, les mêmes là qui criaient que Simone n'a pas fait garçon là. Nadi a fait garçon, en dehors de Michel, Babo est fou de sa Nadi Baba. C'est C'est pas moi tout. qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Donc Lui-même, il y il a le des dit. attaches. Maintenant, ils n'ont qu'à prier Dieu parce que Blé Goudé aussi est sorti. Mais pour l'instant, est-ce qu'ils savent où Blé Goudé se trouve? Blé Goudé se trouve quelque part. Parce qu'il ne peut pas chez Nadi Baba. À ça. Donc, il faut qu'un pays européen, parce que ce ne sera pas un pays africain, dans ces pays-là, ils sont malins, ils vont pas les amener dans un pays africain. Ce sera Ben non, pas un du pays tout. européen qui accepte Blé Goudé. Voilà. Donc, on est content, c'est pas parce qu'on n'est pas content, on est content. Mais on n'a qu'à se dire la vérité. Parce que là, regarde par exemple aujourd'hui, là, la sorcellerie, vous avez marché pendant 8 ans. On a libéré les gens, ils ne vont plus dormir dans 10 mètres, ils ne vont plus dormir dans un lit de 80 cm. Maintenant, là, au lieu de manifester votre joie ensemble, d'autres sont à Trocadéro, d'autres sont à Opéra. Il faut Donc, voir là-bas. à moi, à toi, là, qui sont les vrais traîtres et les vrais sorciers? Mais il Donc, faut deux voir manifs là-bas. différents. Il y a manif ING, manif de Willy Blanc. Donc, ils ont Oh manifesté. là. Ils ont Mais fait oui, manifester mais c'est leur des joie. gens qui Qu'est-ce que vivent c'est? de l'emprisonnement des Pourquoi c'est Gbagbo pas bon? aujourd'hui là. Ils n'ont pas d'autre sujet. Ils pourraient se mettre. Allô? Ils pourraient se mettre ensemble et continuer la sorcellerie là. C'est ça, c'est pour ça que je dis que vraiment, Babou n'a pas vu que vraiment les personnes mauvaises même étaient en bas de ses pieds. Donc aujourd'hui, le monsieur, comme tu disais pour Madame Simone Babou, c'est triste pour elle que le peuple ne tourne pas la page parce que Babou là, il a dit Babou ne va pas lâcher Babou. Ah non, ah non. C'est triste, c'est comme ça, mais voilà. Elle va lâcher Babou. Et puis, un, moi qu'ils ils oublient du moins. Le procès, c'est vrai qu'on dit acquitté, nous tous on comprend français, quand on dit acquitté, normalement ça doit être fini. Mais les gens là, ce n'est pas fini. Donc, ils l'ont laissé en liberté provisoire. Et nous, on a entendu acquitté, mais c'est liberté provisoire quelque part. Ça veut dire que dès qu'on a besoin de toi, s'il y a quelque chose, Si, on va le te procès trouver. continue, Donc, si il les est choses juste viennent à là pour ton enfant, c'est répartir ta quand ils faute. ont besoin de lui. Voilà, il est chez sa femme, Nadi Baba, et puis son fils, son fils Ismaël. Au moins, il a une grande maison. Ça, on est tous contents. Moi-même, j'ai fêté ça, on est tous contents. Donc, il n'y a pas de problème, on est ensemble. C'est ce que je voulais dire, Merci, ma grandesse. Merci beaucoup. En tout cas, je t'embrasse et puis belle soirée à toi. On est ensemble, ça marche. Bisous. Donc, mes amis, voilà ce que je voulais aussi partager avec vous. Je vous dis que, voilà, aujourd'hui là, Babo là, il a fait son choix. Il dit, c'est Nadi Bamba son choix. Depuis longtemps, il vous a dit, depuis Abidjan, il était président. Quand il a fait son choix, il allait la doter. Il vivait avec elle. Il ne vivait plus avec Simon. Donc, si les gens avaient eu le courage de dire les choses quand il était président, vous ne serez pas à ce stade-là. C'est ce courage-là qui vous a manqué. Et puis Babo a été attrapé comme ça, il a été en prison. Donc aujourd'hui, là, il a ses attaches. Il a sa femme qu'il a choisie. Ce n'est pas moi qui ai dit. J'ai dit ici, on dit pourquoi tu as dit. À la CPI, là, vous avez entendu. Son épouse en Belgique et son fils qui est scolarisé en Belgique. Son fils est scolarisé en Belgique. C'est fini. Laissez. Nadi Baba, elle a bouclé, elle a calé, elle a serré. Il n'y a rien à faire dedans. Donc, ceux qui sont autour de Simone Gbagbo, là, s'ils avaient été suffisamment intelligents, s'ils avaient eu le courage, s'ils avaient eu la lucidité, Simone sort de prison. Ah, on était ici à Étoile. Laurent avait fait son choix. Il est même allé marier la femme à l'église. Il va se convertir bientôt même à sa religion, à l'islam. Simone, de toute façon, tu es sorti là. Tu as traversé des moments difficiles, nous tous on sait. Il faut t'inscrire dans un autre schéma pour rehausser ton image de femme intellectuelle, de femme professeure, professeur, de femme pour pouvoir être utile
pour la Côte d'Ivoire. Non, vous êtes resté dans l'euphorie autour de la femme. Mais elle souffre. Elle souffre, elle a un gros chagrin. L'humiliation qu'elle a subie là, c'est un chagrin qui est fort. Si vous ne faites pas attention, la femme là-bas, elle va mourir doucement auprès de vous. Vous n'allez pas vous en rendre compte. Parce que ce qu'elle vit là, ce qu'elle vit là, nous sommes des femmes. C'est quel Simone est en train de vivre là. Si vous n'êtes pas suffisamment intelligent pour poser le problème, pour l'aider à remonter, elle est en train de partir à petit feu auprès de vous. Tout ce qu'elle fait, puis quand vous venez, elle est assise, on la vénère, tout cela, c'est des mises en scène. Mais ce qu'elle vit, elle est en grande souffrance. C'est ça, là, moi, je disais ici. Les gens n'écoutent pas quand on parle. Ils sont tellement bornés, bloqués, qu'ils s'écoutent. Au lieu d'écouter ce que les gens disent, mais ils sont tellement bornés, ils n'écoutent pas quand ils arrivent, ils sont bloqués dans la tête. Ouvrez vos neurones pour écouter et comprendre ce qu'on dit. Tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un. Mais tu écoutes et tu dis, je ne suis pas d'accord. Voilà ce que moi je propose. Voilà mon analyse. Mais vous là, vous n'avez aucune analyse. Vous n'avez aucune proposition. Vous êtes bornés. Regarde ce que Chanel Kavine dit. Gbagbo sort de prison. Il est liberté provisoire, conditionné. Liberté conditionnée. Et puis vous faites des manifestations, chacun dans son groupe. Je suis contente que Laurent soit en liberté conditionnée. Je suis très ravie. J'ai fait avec Yoroko, le coup super. Il était tellement content, il a mangé ça bien avant de commencer live là avec vous. Je suis contente. Vous n'allez plus vendre cré-cré à la CPI, c'est terminé. Louer les cas pour vendre les places à 100 euros, 50 euros là, pour faire votre business sur les pauvres gens là, c'est terminé. Vendre t-shirt, c'est terminé. Vendre bon flotto, ta fille, info, c'est terminé. Je suis contente. Merci Ouattara. Merci l'état de Côte d'Ivoire. Je suis contente, c'est terminé. Votre clé, bon flotto, j'ai bissé pour Plakali, Tikriti, Gombo ici, copé par là, vous vendez flancant, vous salissez l'image de la Côte d'Ivoire. Bah, terminé. Ah, je suis contente. Je suis très contente. Quand oui, on va aller en Belgique. Écoutez bien. La Belgique, là, où Gbagbo est là. Les conditions, là. Gbagbo, mais vous allez l'écouter. C'est Nadi Bamba qui va s'adresser maintenant à vous. Non, vous. Vous allez comprendre. C'est Nadi Bamba qui va vous garantir maintenant. Parce que chez elle, là, les bêtises de danser, c'est pas là-bas. Il n'y a pas ça. Là-bas, c'est chez la femme Djula. On s'amuse pas là-bas, on respecte les choses là-bas. Elle va vous mettre au pas. Au pas. Votre bruit là, au pas, en Belgique là, c'est dans le secteur du roi. Ce n'est pas côté français, c'est côté royauté. C'est côté royauté, ceux qui sont proches de la Hollande. C'est vers les rois là, c'est là-bas. On ne s'amuse pas là-bas. Vous n'êtes pas, il n'y a pas car qui va là-bas. Il n'y a pas attroupement, il n'y a pas cortège. Il n'y a pas ça là-bas. Discrétion. Bemba habite à côté. Bagbo habite à côté. Ils vont pas s'ennuyer. Ils vont jouer au jeu de société là-bas. Ils vont jouer au scrap pour pouvoir maintenir leur mémoire. Ils n'ont pas besoin de vous là-bas. Ils n'ont pas besoin de danseurs pour pédaler là-bas. Ils n'ont pas besoin de sortes là-bas. Nadi Bamba fait ses fers. Da. Bagbo aime ça. Ils sont bien dans leur coin. Laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Moi, je suis très contente. Votre cas location là, c'est terminé. Gbagbo n'est plus à la CPI, donc ils vont venir pour dire il y a le procès, on va louer les cas. C'est des escrocs, c'est des menteurs, c'est des escrocs pour escroquer les gens. Votre business est terminé. Moi je suis très contente. Ah non, je suis très contente. C'est bien comme ça, c'est très bien comme ça. Bientôt là, il n'y a plus dit El Hadj. Gbagbo va partir. Peut-être que quand il va, vous allez voir, Gbagbo là, il va bien faire son truc, laisser barbe bien, il va aller à la Mecque bientôt, vous allez voir déjà. Hé hé! Kader de Koudou! Hé hé hé! Ils appellent Kader Koudou Bamba. Il a fait son choix. Ils vont plus vendre les clé-clé. Les clé-clé. Ils sont derrière. Mais derrière, c'est terminé! Maintenant, le vrai sujet là. C'est là où on va voir si vous êtes intelligent. Si vous avez un projet. Si vous avez des idées de société. Si vous avez des idées de société, c'est là où on va voir.
Babo, il est tranquille avec sa femme. Il n'a plus besoin de vous. Babo n'a pas le droit de faire les déclarations publiques. En fait, il n'a pas le droit. Il a un casier judiciaire. Donc, les deux, là, ils ne seront même pas candidats en 2020, quelque part, ni en 2025. Ils ont casier judiciaire. Donc, maintenant, là, vous proposez quoi de mieux? Vous êtes capable de quoi? Vous avez qui de compétent qui peut mieux faire? Voilà le vrai débat qu'on attend. C'est là, ne pas venir dire, ah, ben, libérer, Babo. C'est terminé! Bouclé, calé. Quand Ouattara a dit c'est bouclé, c'est bouclé. Il a dit Bamba a calé. Terminé. C'est tout. Ça vous fait mal pour rien? C'est la réalité. Aïe. Oui, Nadi va faire son bébé. Sa jolie petite fille. Mago va changer les couches. Ça va l'occuper. Donc laissez les gens là tranquilles là-bas en Belgique. Ils sont en Belgique, comme disent mes parents Yacouba, en Belgique. Donc c'est une très bonne chose. Vraiment, mes amis, je suis contente pour eux. Ils n'ont qu'à rester là-bas. Allez-y, faites votre travail. Ceux qui font leur maître chien, faites votre maître chien. Occupez-vous de vos enfants. Parce que Gbagbo, là, sa fille qui va naître bientôt, là, il va s'occuper d'elle. Vous aussi, là, occupez-vous de vos enfants. Occupez-vous de vos femmes. Gbagbo vous a donné un message. Je suis avec ma femme et mon enfant. Vous aussi, là, restez avec vos femmes et vos enfants. Occupez-vous de vos enfants. Gbagbo n'a plus besoin de vous. Vous n'avez rien apporté même à Gbagbo. Même. Donc, vous avez apporté quoi à Gbagbo? Gbagbo même sait très bien où il est là. Il ne veut même pas entendre parler de lui. Vous l'avez blagué au plateau. Danser avec lui dans les salles. Ils sont attrapés comme un voleur. Il ne veut plus vous voir, les danseurs de Gbagbo là. Même moi-même, je dis à Gbagbo, veut me voir. Vous ne savez pas ça. Zepé, il vient me rencontrer, il m'a dit, il faut prédire mon avenir. Parce que c'est ce que j'ai dit depuis le début. Là. On est dedans. Voilà. 2 jours là, vous allez trouver d'autres prières. Vous allez faire les soirées. Ce que je suis en train de vous dire là, je dis les gens là, je les connais. C'est des escrocs. Vous allez voir bientôt, on fait soirée. Ah, on fait une soirée. Hein? Collecte de dons. On va payer les canapés, fauteuils en cuir pour Koudou, pour Opa. Tout ça pour escroquer les gens, je vous préviens. Ils vont vous escroquer. Gbagbo n'a pas besoin de canapé. Gbagbo n'a pas besoin de chaussures. Gbagbo n'a pas besoin de costume. La Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a tout pris en charge. Gbagbo n'a pas besoin de tout ça là. Mais ils vont créer des soirées bidons pour escroquer les gens, pour dire oui, Gbagbo, on doit aider Gbagbo. Le papa est sorti, sa maison là. Il faut meubler sa maison. Il faut aider. Gbagbo n'a pas besoin de vos 1 centime. Vous n'avez jamais donné 1 centime à Gbagbo. Ce n'est pas aujourd'hui où il y a la liberté conditionnée là. Vous allez lui apporter quelque chose. Occupez-vous de vos enfants, puis arrêtez d'escroquer les gens. Je suis très contente. Votre bouillabaisse là est terminée. C'est bien. En tout cas, merci à l'État de Côte d'Ivoire. Donc, mes amis, moi, je suis contente pour la raison de Laurent. Je suis contente pour sa libération. Et la liberté qu'on dit, je suis contente pour lui. Voilà, même si c'est triste pour Simone, ben, il a fait son choix. On ne va pas forcer Gbagbo à aller rester avec quelqu'un. C'est comme ça, il a fait son choix, il faut le respecter. Voilà, il faut respecter son choix. Simone, je pense qu'elle a compris. Elle va continuer à faire sa vie. Elle va continuer à s'occuper de ses petits-enfants. Et puis voilà, c'est tout. Aujourd'hui, ma priorité, je vous ai dit, ma priorité, ce n'est pas Gbagbo. Ce n'est pas Blé Boudé. Ils ne sont même pas ma priorité, ni Sorodio. Ils sont ni Pédi. Ils ne sont pas ma priorité. Ils ont démontré leurs limites. Ils ne peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire, ni demain, ni après-demain. Ce ne sont pas ma priorité. Ma priorité, là. Votre priorité, notre priorité, là. Il y a au moins 1 000 de nos frères et sœurs, 1 000 réfugiés qui sont au Togo. Comment on fait pour les faire rentrer? Parce que les cadres, là, eux, là, ils ont discuté, ils ont arrangé leurs trucs, ils sont rentrés. Mais les réfugiés, qui va les aider? C'est-à-dire qu'on les abandonne. Voilà une de nos priorités. On doit se saisir de ce sujet-là. Comment faire pour aider nos frères qui sont au Ghana? Comment faire pour aider nos frères qui sont au Togo? Pour qu'ils rentrent dans leur pays. Souvent, il y a des gens qui disent, ah, qui les a envoyés là-bas? Mais c'est bien beau de dire ça. Mais les exilés, les cadres, ont pris les gens en otage. J'ai dit ça sur les réseaux sociaux. Vous avez pris les gens en otage. Vous négociez votre truc en dessous. Ce que vous faites, ce n'est pas bon. C'est inhumain. Aujourd'hui, on est où? Les gens sont rentrés. Et puis les pauvres,
les réfugiés des bâches, les réfugiés du vent, les réfugiés de la pluie, les réfugiés de l'orage, les réfugiés de la souffrance. Qui tend la main à ces réfugiés-là? Il n'y a personne. Vous êtes focalisé sur les choses. Babou, babou. Mais les vraies souffrances sont là. Voilà les sujets. Moi, voilà ma priorité. C'est pas. Babou est sorti de prison et je suis contente pour lui. J'ai fait ce que je pouvais faire à mon humble niveau. Chacun a fait pour lui à son humble niveau. Et je voulais remercier aussi une femme, Marie Toukoné. Je voulais remercier Marie Toukoné, qui a fait beaucoup. Je ne rentrerai pas dans la détail. Je veux remercier Marcel Gossio, même s'il n'est pas en vie aujourd'hui. Paix à son âme. Qui a fait beaucoup. Mais on n'en parle pas, Marcel Gossio. Pour que Gbagbo puisse bénéficier de cette liberté conditionnée. Marcel a été le sacrifice. Je vais m'arrêter là. Je ne rentre pas dans les détails. Mes amis, on me dit Blé Goudé. Il n'y a aucun pays qui veut le recevoir. Il n'y a aucun pays européen qui veut recevoir Blé Goudé. Donc pour l'instant, il est à l'hôtel. Il est à l'hôtel puisque il n'y a aucun pays qui veut le recevoir. Donc, il faut continuer les discussions. Il faut continuer la diplomatie. Il faut continuer la diplomatie. Et c'est l'État de Côte d'Ivoire qui mène cette diplomatie. Ce n'est pas vous qui criez dans les rues, dans les cas là, qui menez la diplomatie. Hein. C'est l'État de Côte d'Ivoire. C'est la salle Ouattara. Pour mener cette... Convaincre un pays pour l'accepter. Il faut convaincre un pays pour l'accepter. Vous avez vu Nicolas Sarkozy à bien, vous êtes en train de crier. Vous savez que c'est Gbagbo lui-même qui a envoyé Nicolas comme émissaire. Vous savez ça? Vous l'arrêtez, hein. On n'a pas envie de trop rentrer dans les détails. Je vous ai dit que vous ne connaissez même pas Laurent. Vous ne le connaissez pas. Gbagbo, là, vous ne le connaissez même pas. Vous ne le connaissez pas du tout. Vous criez ici, Nicolas Sarkozy a billé. C'est Nicolas Sarkozy qui a fait que Gbagbo, on a dit il ne va pas à Mama. Vous racontez des bêtises. C'est Gbagbo lui-même dit hein, en Belgique. Ses attaches sont à Belgique. Il n'a pas d'attache à Mama. Il n'a pas de femme à Mama. Il n'a pas d'enfant à Mama. Point. C'est terminé. C'est bouclé, c'est bouclé. C'est géré, c'est géré. C'est calé, c'est calé. La gauche, Djoula a pris son gars. Point. Djoula, il n'y a pas son lieu. Mes amis, je ne vais pas rester plus longtemps. Je voulais aborder un autre sujet, mais que je pense que je vais le laisser pour plus tard. J'ai vu une vidéo qui a circulé d'une députée. Madame Traoré, ou je ne sais plus quoi, d'une députée qui a tenu des propos. J'ai eu cette vidéo ce matin, on m'a envoyé la vidéo et que j'ai vu la vidéo. Je vais m'exprimer dessus. Mais je ne vais pas mélanger les sujets. Si j'ai un bout de temps demain, je m'exprimerai dessus. Le sujet de Soro Dioum d'Alain Lobognon, je l'ai noté, hein. Il est toujours là. Il est là. Je n'ai pas eu le temps d'aborder le sujet parce que je n'ai pas eu suffisamment de temps pour pouvoir vraiment voir tous les aspects juridiques de la chose. Je t'ai dit, quand tu veux parler d'un sujet là, les gens pensent que tu viens sur Facebook parce que Gouza a dit, toi, c'est, je peux faire vidéo dessus. Non. Quand tu fais une vidéo là, il faut avoir les aspects juridiques, politiques, sociaux. Il faut analyser. Tu analyses un sujet, tu fais des propositions. Moi, là, je ne fais pas magie. Je n'ai pas fait des grandes études. Hein. On dit que oui, je n'ai pas fait Sciences Po. Je n'ai pas fait Saint-Cy l'école. Je n'ai pas fait l'ENA. J'ai dit, il faut apprendre dans la vie. On ne finit jamais d'apprendre. Et j'aime apprendre. Donc, le sujet d'Alain Lobognon, je n'ai pas encore revu tous les atouts, les éléments juridiques de son cas. Donc, mercredi, on parlera du problème de Lobognon. On parlera du problème de M. Franklin Niamsi, qui a tenu aussi, qui a fait une vidéo aussi. Pour insulter le chef de l'État, pour insulter la Côte d'Ivoire. Voilà des sujets. Voilà quelqu'un qui n'est pas... Là, on ne va pas mélanger les choses. Ah! Cameron Fofana, salut à toi. Bon week-end, merci. Bon week-end. Donc, salut à toi, Frangin. Vous avez me ramener aussi hein, les gars là. Ah oui, ils sont ingrats. Hein. Ils sont ingrats.
Donc voilà, ils sont assis là. Gouza, ceci, Gouza. Moi, ce que j'ai fait pour Babo là, vous-même qui gueulez là, vous n'avez même pas fait un tiers. Même un millième de ce que moi j'ai fait là, vous n'avez pas fait. Moi, Gouza, ce que j'ai fait pour Laurent là, vous-même là, les gueulards là, vous n'avez pas fait un millième. Vous n'avez pas fait un millième. C'est ça. Il y a un qui me pose la question. Nicolas était à Abidjan. Vous n'avez pas fait un millième. Vous êtes des gueulards inutiles. Une fois tu es utile pour quelqu'un, vous êtes inutile. Vous avez gueulé inutile, incapable. Même quand on dit, quel est votre poids? Quelle proposition? Comment vous faites diplomatiquement? Vous n'êtes pas quelque part. Et vous avez dit tout à l'heure, Issa Malik Koulibaly, c'est le frère d'Amadou Gon Koulibaly, premier ministre de la Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement, c'est son frère. Il était où? Vous savez le travail que Issa Malik fait? Il travaille dans quelle institution? On vous a dit qu'il est en exil. Vous êtes des gueulards inutiles. Taisez-vous. Aujourd'hui, la blague boudée là, il faut trouver une solution pour lui. L'État de Côte d'Ivoire, j'espère et je crois que le président de la République est notre père à tous. Il pèsera de tout son poids diplomatique pour que Blaise Boudé puisse trouver un pays d'accueil. Voilà, c'est tout. Le reste là, vous êtes des pimplets. Émotico, on fait rien, vous n'apportez rien à quelqu'un, pas de solution, pas d'idée, pas de projet, émotico, c'est tout. Mes amis, elle attend son fils, ah mais oui, moi-même là, Elina dit maman, son 14, son Saint-Valentin est garanti, la gojou là, ah non, non mes amis, à vous tous. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Merci à tous. Je vous souhaite une très très belle soirée. Merci à tout le monde. Passez. Passez une belle soirée. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont relayé, ceux qui m'ont écouté, à tous ceux qui ont publié. Merci à tous. Et puis, nous continuons nos échanges, nos discussions. Et dans les jours à venir, d'ici le...